Yo les gars, vous allez bien? Encore bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. Je rentre actuellement des courses pour me diriger vers la maison de Franklin. On est en confinement bien évidemment. J'ai mon attestation toujours dans la poche, tu connais. Nous sommes dans les réglementations. Et comme tu peux remarquer, le véhicule que j'ai déjà présenté en vidéo, là j'ai le stock pour le mois, voire même plus que le mois je pense. Là, on est pas mal, là, au niveau du PQ on est pas mal. Donc on arrive à la maison de Franklin qui a subi quelques métamorphoses. Je ne vous le cache pas. Donc on va rentrer là, merci frérot de me faire rentrer. Donc il y a une fontaine là, ok. Ah merde, il y a une chita dans le garage. Donc je vais garer mon engin de la mort juste là. La vidéo est disponible sur la chaîne d'ailleurs, hein, les potos. Je la mettrai pourquoi pas en description ou alors en fin de visionnage. Alors on va voir comment la maison a été organisée pour vraiment créer un confinement. Déjà à Franklin, il y a eu un level au-dessus au niveau des moyens pour sa maison. Il y a plein de nouveautés, plein de trucs, des trucs d'éclairage. Une petite fontaine, bon elle est un petit peu en lévitation. Le modeur il a un peu bégayé quand il l'a mis, mais bon. Bon, c'est le principal quoi. Il y a un mec du FBI qui est là également. Un mec qui fait rentrer les voitures pour ceux qui viennent ou quoi. Bon, on est en confinement, mais bon, t'as compris quoi. Donc, ok, on est là. Alors, on va déjà commencer par l'intérieur si vous le permettez. Le garage, hein, il a pas trop changé. Il y a une chita qui est là. Et là. Il y a un mécano, il y a même des mécanos, d'accord. Un pont élévateur. Normalement, je crois que c'est de base ça. Sauf que je sais pas sur quoi il tape là, mais il va pas marcher longtemps le pont, mon copain là. C'est un mécano dans les roues de brouette, lui, j'ai envie de te dire. Donc là, ok. Ah le petit garage par contre c'est sympa ça, on a un... ça c'est un garagiste ça. Ça c'est un vrai garagiste ça, un vrai, un tatoué, un vrai celui-là. Donc là on a pas mal de petits nettoyants, des conneries, des petites bombes de peinture, ok. Marteau piqueur, là-bas on a quoi, des bacs d'huile, enfin des bacs pour les vidanges, tout ça, ok, des bidons. Voilà, là un petit casier ou quoi. Ok donc c'est pas mal, bon petit garage. Là on a une comète et la buffalo de Franklin de base. On commence donc par l'intérieur, salut frérot, est-ce que je peux rentrer quand même? Ouais t'es quand même sympathique toi. Alors l'intérieur comment ça se passe? Donc déjà il va y avoir très certainement plein de PNJ qu'on connaît. On va commencer par le bas, par les chambres, pour voir si quelque chose a changé ou non directement, tu vois. Donc ça il y a les caméras de surveillance, je sais pas si ça y était avant de base dans la maison. Non elle est mise de travers, donc ça c'est des... ça a été rajouté par le modeur, ok. Il y a les caméras de surveillance un peu partout. Ah il y a une pièce là-bas, what is this? Oh même là il y a une pièce. Oh! Oh c'est tellement ouf! Habituellement il n'y a rien ici. Oh regardez-moi les mousses acoustiques. Énorme! Les trucs de caméras de surveillance. D'accord, les mecs de la sécurité sont là. Mon game, on est confiné comme jamais ici. Merde, je suis sorti. Attends, faut que je rentre. Voilà, ok, faut pas trop que je m'approche de là-bas. Et là, on a un tableau de planification de je ne sais trop quoi. Ok, vraiment, la pièce est super cool. Donc, ensuite, on continue par là. Là, normalement, à gauche, on a la chambre de Franklin. Alors, comment que ça se passe? Oh, là, dehors, ce qu'il y a dehors sur les transats, ça me plaît déjà. Moi, je peux te dire que tout le monde aimerait être confiné comme lui. Ah, le salaud, il se met bien, lui. Donc là, on a la petite penderie de Franklin. T'as la maison est classe, hein. Ok. Donc là, il y a des petits paquets, des petites chaussures et tout. Il y a même des chaussures de meuf. What is this shit? À moins que j'ai une copine et que je sois pas au courant. Parce que Franklin, on n'a pas, frérot. Enfin, on n'a plus, du moins. Donc là, on a des petits paquets. On ne demandera pas ce qu'il y a dedans. Et là, Vespucci, je ne sais pas trop quoi. I love Vespucci Beach. Ok. Ok, ok, ça bouge pas trop. Là, c'est pareil. On a toujours le lit et tout. Ok. Bon, c'est cool. L'endroit est pas mal. C'est bien texturisé, c'est bien stylé. Là, un petit PC ou quoi, pas mal. Il a rajouté un peu les tapis au sol, je crois que ça n'y était pas dans la version de base de la maison, je pense. Ok, donc là, par contre, mon gars, j'ai hâte de voir ce qu'il a fait là-dedans. C'est parti. What? C'est quoi, ça? Oh, un enregistrement studio, c'est énorme. On a Jimmy qui est là, bon, la table a un peu buggé. Et là, les mecs qui chantent sont là. On peut pas rentrer, mais bon, on peut regarder comme ça. Il y a Lamar qui est là. Ok. Bon, c'est stylé, tu vois, le mec s'est fait un petit délire. Énorme. J'aime bien le bail, j'aime bien le délire. Ah, si j'ai envie d'aller voir dehors, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Hein. Ok, bon. Maintenant, on peut remonter un petit peu à l'étage, les petits potes, et aller voir ce qui s'y cache à l'étage. La pièce, pour l'instant, que j'ai préférée, c'est celle-là, la pièce de vidéosurveillance. Elle est vraiment stylée de ouf. J'aime bien le bail comme ça, de reprendre quelque chose de base dans le jeu, mais vraiment de complètement l'améliorer, tu vois. C'est vraiment bien stylé. Donc là, la petite table d'entrée, je sais pas si de base elle y est, je me rappelle plus trop, hein, la maison de Franklin. Je l'ai vu une fois, après, j'ai plus jamais regardé, mon gars. Ok, donc là qu'est-ce qu'on a? L'agent 14, ok. Il y a qui là? Il y a lui, je sais plus comment il s'appelle, lui, mais je sais qu'il est du, il est de l'IAA, lui, je crois. Si mes souvenirs sont bons, si mes bons sont souvenirs, mon ami. La maison est comme ça, se présente un peu comme elle est de base, sauf que certains éléments ont été améliorés ou quoi. Non, c'est pas mal, très bon délire, honnêtement. La table, c'est pas la même, ça je l'ai reconnu direct, c'est pas la même table, mon pote. Elle est bien classe, la table, donc là il y a des meufs sur l'ordi. Tu feras gaffe, t'es encore sur l'écran d'accueil, hein, au passage. Un petit husky. Quelle belle bête. Ce qui donne la patte, ce chien de l'enfer. Ah merde. Ah merde. Ah je suis désolé frère. Lève-toi. Ah ouais bah lève-toi. Bah, tu vas me faire passer pour un con en vidéo là. Lève-toi.
On va dire que je maltraite les chiens alors que j'adore les chiens, frérot. Tout ce qui a des pattes et des poils, je kiffe. Et attention, hein. Et je dis bien, j'ai bien dit des pattes, d'accord? Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc là, on a Chief, c'est le mec qui fait de la cam pour Trevor normalement. Donc en fait, c'est les cuisiniers, d'accord. Donc j'ai mis cuisinier attitré. Mon gars, c'est le meilleur confinement de ta vie là. Ah ouais, le cuistot qui est là. Nous, on prépare les faritas façon au del Paso. Cette pub là m'a tellement cassé les reins. Ah, je peux te dire qu'à chaque fois où a passé, mon gars, elle m'a saoulé cette pub. J'ai trop vu quoi, les faritas façon au del Paso là, j'en ai marre, frère. J'en ai marre des faritas de merde. Moi, je veux pas boire du pinard, merci, c'est gentil de me le proposer, mais ça m'intéresse pas. Donc, on va sortir par la porte là-bas et on va longer la maison, tu vois. Bon, sincèrement, déjà pour le moment, la maison elle est bien cool. Elle est bien stylée. J'aime bien le délire. Le mec a fait un bon petit truc. Sincèrement, c'est beau. Hop, on va sortir. Ok. Y a personne, connard, on est en confinement. Qu'est-ce que tu fais avec ton machin rouge là, à faire des signes comme ça là? T'es en train d'appeler un martien ou quoi? Ah bah, déjà, on peut voir les voisins, tu vois. On peut voir les petites voisines dans la piscine. Ça, c'est pas mal, ça. C'est le mec, le gros voyeurisme de merde, quoi. Le mec, son truc qu'il préfère dans sa maison, c'est le fait de voir ses voisines dans la piscine. Ok. Bon, ils se font un petit plaisir aussi, frérot. Y a pas de mal. Ok, donc là, c'est la porte du garage, mais qui est condamnée. Bon, hop. Ah, là, ça me plaît bien, là. Oh, le jacuzzi et tout. Qu'est-ce qu'elle fait, habillée dans le jacuzzi, elle? Elle a dû sniffer un truc pas très légal, je crois, non? Non, on va descendre là. Ok, il y a le DJ Chop. Il est où, Chop, là? Je sais pas où il est. Elle est là. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit DJ. Ok, qui est là. Les petites platines et tout. Avec ses cheveux qui changent de couleur. Regarde. Regarde. Il a les cheveux à moitié d'un orange rouge. Vraiment Lucifer, un peu. Tu vois, rouge violent, là. Et tout à l'heure, il était en violet. Ah, regarde, là, il change de couleur, les cheveux. Quand je m'éloigne un peu. Ou quand je bouge la caméra, regarde. Bref, c'est chelou, frère. Ok, pas mal. Donc là, ça dansote et tout. Là, il y a un mec dans la piscine. Oh! Michael de Santa, il est là. Amanda qui est là-bas. Les pieds là sur le canapé là. J'ai envie de foutre une grande tarte dans la gueule, elle la respecte rien là. Sa fille, comment elle s'appelle elle? Tracy de Santa, voilà, j'ai trouvé. Tracy, le petit jacuzzi là. Mon copain, on est pas mal. Elle, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que tu fais toi là? Mais pourquoi t'es debout dans le jacuzzi? Ok. Oh! Oh, Trevor au barbecue, frère! Énorme! Les petits hamburgers de la mort. L'autre, la meuf, là, je sais plus comment elle s'appelle. Elle, Patricia, je crois, c'est ça. J'ai un doute. Oh, Trevor, il est là. Franchement, c'est stylé de ouf, hein. Un petit écran, le petit barbecue et tout. Putain, il se met tellement bien. Oh, lolo. Il y a encore un étage là où j'ai pas pu aller voir. Là, la meilleure partie du confinement, frérot. Ah, bah, si on a envie d'être confiné, le meilleur moyen, c'est de bien l'être, quoi. Donc là, ils sont vraiment bien confinés, tu vois. Ah, bah, tout le monde a envie d'être confiné comme ça, quoi. J'ai envie de te dire. Donc là, lui, il est à travers la table. Bon, il y a quelques petits bugs, mais bon, on va pas tirer sur l'ambulance. Dans le fond, c'est stylé quand même, tu vois. Une petite table, là, un peu avec un. Tu vois, c'est. Ça bouge sous le verre, t'as compris? C'est pas mal, c'est pas mal. Et là, il a rajouté des petites plantes, tout ça qui ne sont pas en temps normal, je crois. Ok. Vous avez à me regarder mal comme ça, vous là, vous voulez me branler ou quoi? Ils ont quand même oublié que j'étais chez moi, non? Je crois. C'est malandrin, là. Je vais essayer de monter là-haut. Ah, que monter en bas, c'est très compliqué. J'ai déjà essayé, ça. Pas terrible. Et on va aller voir ce qui se cache sur le toit pour finir cette vidéo. Sincèrement, les petits potes, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de la maison. Mais là, ah, tu vis ton meilleur confinement. Déjà là-bas, mon gars, pour moi, le meilleur truc, c'est Trevor qui est en train de faire le barbecue. C'est tellement stylé, oncle Trevor qui fait le barbecue. C'est tellement ouf. Ok, là, on a des transats. C'est quoi ça? C'est des feux d'artifice? Artifice, t'as compris la vanne. Ok. Frank. Ok. Il y a un smiley qui a été fait, non? Ok, des bouches, je sais pas trop quoi. Des trucs incendie, fire et tout, ok. Bon. On monte là. Et là, le toit. Voilà comment le toit se présente. Alors, avec des panneaux solaires. Mais partout de chez partout. Et un magnifique. Comment il s'appelle d'ailleurs cet hélicoptère? Attends, je vais le savoir direct. Tu vois, je vais monter dedans. Ah, confinement ou pas, je suis millionnaire. Je fais ce que je veux. Hein, j'en ai rien à foutre, moi. 135 euros, ça me fait pas peur. J'ai plus les blazes. Bon, bref, c'est un holocoupter. Holocoupter. Et là, on a le mec qui gère l'holocoupter en question. Excuse-moi, frérot. Ok, bon, le toit après, ça présente comme ça. Le reste. Hein. Sincèrement, c'est bien stylé. La maison, elle est vraiment cool. Elle est déjà pas mal en temps normal, mais là, sincèrement, oh, j'ai envie. Oh, je taperai pas le plongeon dans la piscine, moi. Oh, je vais essayer ça. Bon, je vais me mettre quand même en gun mode parce qu'on va pas faire les cons. Allez, hop, c'est parti! Oh, il était pas mal celui-là, non? On se demande pourquoi t'as pris ce spot-là, Vinça. On se demande, hein. Même moi, je me demande. On se demande pourquoi t'as pris ce spot-là, Vinça. On se demande, hein. Même moi, je me demande. Cette vidéo va finir Peggy 18. Hein, je vais refaire encore un petit saut là pour m'amuser. Ah merde, faut que j'en fasse tout le tour. J'ai envie de voir un truc vite fait, mon pote. De nuit, ça donne quoi de nuit? Il est minuit, tout le monde est là, tout le monde s'ambiance. Trevor, il est encore en train de faire
les petits hamburgers, mais bon là ils vont être cramés tes hamburgers. Franchement, ça c'est le plan de vue le plus stylé du truc avec Trevor qui est en train de faire le barbecue. C'est tellement stylé, le petit Mike. Oh, non, tape pas les meufs. Le petit Michael le Santa qui est là, elle est debout là sur le canapé, elle respecte rien. Mais qu'est-ce que tu fous debout sur mon canapé là? Oh, t'as de prendre une tatane toi là. Qu'est-ce que tu fais debout sur mon canapé là? Oh, t'as les jambes écartées là, Amanda. Pff, oh là là. N'importe quoi, en tout cas le jacuzzi là, bien stylé de ouf hein. Il est en temps normal ou pas, je m'en rappelle plus frère. Plus aucun souvenir. Bon, poussez-vous là, poussez-moi, excusez-vous, allez! Font chier là. Va dans l'eau, toi. Va dans l'eau. Va dans l'eau, j'ai dit! Oh merde. Oh merde. Ça fait beaucoup quand même de oh merde là. À la fin, ça peut être une excuse hein. Dans l'eau, toi, j'ai dit là. Putain, veut pas rentrer dans l'eau, frère. C'est insolent ça. Tu vas voir si tu vas pas y rentrer dans l'eau, toi. Tu vas voir. Attends, bouge pas, je vais m'occuper de toi, ma copine. Et attention, ça va faire boum. Allez hop, tout le monde dans l'eau là. Ah, ils bougent pas quoi, ils sont restés fichés au sol. What the fuck, bon, ça devient trop sale cette vidéo. Les potes, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vos avis, les potes, dans l'espace commentaire. C'était Vince, prenez soin de vous et je vous ferai un épisode. J'essaierai du moins de vous faire un épisode sur la maison de Michael qui est juste là d'ailleurs. Attends, je vais tirer un feu d'artifice dans la gueule. Michael! Ah, je peux pas! Oh! Oh merde! Oh merde! Bon, bah, vos avis en commentaire, c'était Vince. Allez, pisse les gens!